Ouais, je sais, je suis à la bourre comme d'habitude. Ne m'en veuillez pas surtout. Hello YouTube, je vous retrouve pour désigner la gagnante du jeu de décembre. Je vais pas vous montrer, hein, parce que je veux que ce soit une surprise. Je vais juste, les enveloppes sont prêtes. Je vais juste vous montrer. Je sais pas si c'est celle-ci qu'on avait fait ensemble. Je me souviens plus. Vous savez, les petits trucs. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur non plus, hein, bien entendu. La pochette avec les deux enveloppes. Voilà, c'est ça qu'il y avait à gagner. Elle est remplie et il y a. Naturellement, il y a d'autres trucs dans l'enveloppe. Mais je ne vous montre pas. J'espère que je vais réussir à le remettre sans faire de bêtises. Ça, c'est pas gagné par contre, hein. Non, c'est pas gagné du tout. Non, parce que c'est un peu un Tetris là-dedans, si vous voulez. Je me suis un petit peu amusée pour que ça dépasse pas les 3 cm, pour que. Donc c'est un peu du Tetris, je vous avoue. Hop là. Voilà, on est bon. Bon, vous voyez, les enveloppes. Je vous montre mon adresse, mais ça va pas bien. Hein. J'espère que je vais pouvoir foutre ça n'importe quoi. Les enveloppes sont prêtes, j'ai plus qu'à mettre celles qui vont gagner. Donc vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 à participer. Il y a Patricia Clark. Il y a Isa Création 78. Maria Caillot. Natacha, ses bricoles et ses bidouilles. Je pense que c'est comme ça. Nathalie Lavaux. Je sais jamais, Natacha, ton pseudo, si c'est ses bricoles et ses bidouilles ou ses bidouilles et ses bricoles. Mais bon, c'est Natacha, quoi. Ensuite, on a Myriam Debu. On a Marina. Hop là. Marina vient ici. Marina Scrapbidule. On a Linda B. On a ma petite Fanny Dufour. On a Daniel Chrétien. Et pour finir, on a Véronique Bonnet. Donc là, vous êtes deux. Hop là. Je vais tirer deux gagnantes. Hein. Hop là. On va prendre celui-ci. Donc celui-ci, c'est Maria Caillot. Je ne sais pas si vous allez voir bien. C'est bon. Maria Caillot. Donc Maria gagnante. Hop là, on enlève son petit papier. Merde, il y en a un qui est tombé. Je le ramasse. Voyez, je l'ai ramassé. Je vous montre bien. Hop là. Et on va prendre. Tiens, celui-ci. Qui est tombé là-bas. Et là, c'est Linda B. Mais je crois que Linda, en plus, t'as gagné à mon. Je veux pas dire de bêtises. Ah non, c'est peut-être un. Non, je me trompe. C'est peut-être un échange qu'on a fait sur le groupe de Marina. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. En tous les cas, les gagnantes sont Linda et Maria. Je dois avoir vos adresses à toutes les deux. Envoyez-moi quand même un mail, les filles, ça ne vous dérange pas. Déjà pour me dire que vous avez bien vu la vidéo et envoyez-moi quand même un mail pour être sûr que j'ai bien vos adresses, mais il me semble que j'ai vos adresses à toutes les deux. Bon, félicitations à vous deux et puis pour les autres, de toute manière, il y aura un autre jeu au mois de janvier, ne vous inquiétez pas. Bon, écoutez, c'est tout, hein. Je vais vous quitter là parce que j'ai plein, plein, plein de choses à faire. J'ai notamment une vidéo, faut que je vous fasse là juste après. Juste après
aujourd'hui, mais un peu plus tard dans l'après-midi, une vidéo sur les cartes de vœux. J'ai fait plein de. Enfin, j'avais pas mal de commandes de cartes de vœux, donc j'en ai fait pas mal. Et on va en faire ensemble, histoire que bah, ça puisse vous donner des idées. Et vous allez voir, c'est vrai. Franchement, y a pas, je crois qu'il n'y a pas plus, il n'y a pas plus simple. Bon, je vais vous quitter sur une pensée positive. J'ai rangé mes petits papiers. Je vais vous quitter sur une pensée positive qui sera aujourd'hui. Alors, le matin peut être. Non, le bonheur peut être un matin ensoleillé. Une lettre d'une amie de si petites choses. Sur ce, les amis, je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.